nous nous retrouvons euh, là euh, tous les trois. Euh, euh, monsieur Jean-Michel Gouvard, monsieur Dominique Glynn, hein, euh, vous avez euh, participé ou en tout cas vous êtes à l'initiative de la publication d'un ouvrage qui s'intitule L'Oulipo et la Seconde Guerre mondiale qui a été publié aux presses universitaires de Bordeaux. Voilà, donc euh, félicitations pour ce bel ouvrage. Euh, cet ouvrage euh, prolonge... Euh, les actes d'un colloque dont il reprend environ la moitié des communications. Et la première question que je voudrais poser, notamment à Dominique Lynn, la première question serait, pourriez-vous nous dire quand s'est tenu ce colloque d'abord, ce qui en était à l'origine et ce que ces contributions devaient permettre d'éclairer oui, merci pour cette question. Le colloque Lulipo et la Seconde Guerre mondiale s'est tenu en septembre 2016 à Londres. Et c'est un moment important qui représente à la fois l'acte fondateur de ce volume, mais aussi le début de ma collaboration avec Jean-Michel Gouvard. Et à l'origine, j'étais rattaché à un institut de recherche à l'Université de Londres, The Institute of Modern Languages Research, qui s'intitule désormais... Institute of Languages, Cultures and Societies. Et la mission de cet institut ressemble à peu près à la mission de l'UF en France, c'est-à-dire qu'elle avait pour but de favoriser le développement de la recherche dans les universités et renforcer l'interdisciplinarité en créant des liens avec des chercheurs au Royaume-Uni, bien sûr, mais également à l'étranger et surtout, dans mon cas, en France. J'avais rencontré Philippe Roussin du CNRS alors qu'il était visiting professor à Oxford, lors d'un événement dédié à Patrick Modiano à l'Institut français, me semble-t-il. Et ensemble, nous avons nourri un projet de colloque qui permettrait d'éclairer en tout cas une thématique qui n'avait pas été suffisamment traitée jusqu'alors et qui permettrait également de croiser différentes perspectives méthodologiques de chercheurs issus de traditions différentes, et notamment euh, des chercheurs attachés à des universités françaises et des, des universités anglaises. Euh, il nous a semblé assez rapidement que euh, le, le lien qui unissait l'UDIPO avec euh, les événements de la Seconde Guerre mondiale euh, pouvait répondre à, à cette attente. Parce que s'il si, euh, est usuel de questionner à travers une littérature dite de témoignage euh, l'espace le, mémorial propre à la guerre avec, euh, avec les armes du littéraire, cela s'était fait beaucoup plus rarement euh, avec euh, ou au prisme de la, de la littérature, de la production oulipienne. Et donc ce colloque, et puis. Euh, forcément, l'ouvrage collectif qui, qui en est issu s'est proposé d'étudier les liens unissant l'Oulipo et la Seconde Guerre mondiale en adoptant différents points de vue. Euh, et le premier de ces points de vue était d'analyser l'évolution du groupe en s'intéressant aux actions collectives, donc les, les productions des textes à plusieurs mains, les comptes rendus de réunions, euh, l'animation de rencontres en public. Et euh, etc. La deuxième approche euh, consistait à, à tracer les, les, les trajectoires des individus euh, composant le, le groupe afin de dégager les spécificités de la, la production de chacun selon une perspective biographique ou euh, sociologique. Et enfin, la, la, troisième, la troisième approche consistait à proposer une analyse textuelle littéraire. Des œuvres produites par les Oulipiens. Et donc le, le colloque et puis, puis le volume ont cherché à, à dessiner les, les choix opérés par les membres de l'Oulipo, aussi bien sur le plan formel euh, qu'en ce qui concerne l'organisation interne du groupe et son fonctionnement. Et ce faisant, on espère, en tout cas dans ce volume, mettre en, en évidence le lien étroit qui existe entre les expérimentations, les expérimentations langagères, langagières. Je reprends ma dernière phrase. Ce faisant, ce faisant, il met en évidence le lien étroit qui existe entre les expérimentations langagières et une certaine conception de l'engagement politique. Oui, d'accord. Et, et ces contributions euh, diverses expliquent euh, eh bien, la, le caractère, euh, euh, on va dire, euh, pluriel de cet ouvrage qui est composé aussi je le précise bon bien sûr d'articles qui sont écrits en français mais aussi en anglais et puis nous avons aussi droit à la fin notamment à, à la présence même de Jacques Roubaud hein, qui est interrogé et qui euh, euh, oppose un, un témoignage vivant de, de son intégration, de ce moment où il, a, il est entré parce qu'il est l'un des premiers finalement hein, dans les années 60 à avoir intégré le groupe Toulipo alors, bah, presque, puisque je parle de cette, euh, ces années 60, euh, c'est-à-dire 1960, c'est bel et bien l'année de la fondation hein, de l'ouvrage Littérature Potentielle. Et cette date, euh, bah, a priori, euh, euh, semble montrer qu'il n'y a pas de relation historique euh, immédiate, en tout cas évidente, entre ce, ce groupe de recherche euh, des membres de l'Oulipo euh, et la Seconde Guerre mondiale. Alors justement, qu'est-ce qui relie ces deux événements en apparence si étrangers l'un à l'autre Il y a effectivement un hiatus entre la fin de la guerre et la création de, de l'Oulipo. Néanmoins, la, la date de la fondation situe le groupe dans, dans l'après-guerre et les Oulipiens de la première génération, ceux qui ont fait partie du groupe fondateur, avaient tous une expérience directe de la guerre. Et même pour un, un certain nombre d'entre eux, de la résistance. François Lelionnet, par exemple, était un rescapé du, du camp de Dora. L'engagement de Jean Lescure et de Noël Arnaud par la presse et les armes est notoire. Lescure était un, un gaulliste qui entretenait d'excellents rapports avec le général, et Noël Arnaud avait été un, un agent secret des, des services alliés pendant la guerre. Il y avait aussi Paul Braffort, qui avait été l'un des dirigeants de la manifestation des étudiants contre les Allemands à l'automne 1940. Et donc, ce lien plus ou moins proche avec la résistance a fonctionné comme un critère tacite de, dans, dans la composition du groupe. Une bonne partie de ceux qui ont composé le premier Oulipo avaient ainsi un lien assez, assez profond avec, avec la résistance. Le... D'ailleurs, il me semble que. Oui, Excusez-moi. Il me semble que Jacques Roubaud précise que euh, lorsqu'on l'a contacté, euh, le groupe était encore euh, quasi euh, inexistant, on va dire aux yeux du grand public. Enfin, le... lui-même en avait très peu entendu parler, et l'une des raisons pour lesquelles il a accepté euh, d'intégrer le groupe, c'est précisément qu'il s'y trouvait un certain nombre d'anciens résistants, si... si je ne me trompe pas. C'était tout à fait cela. Ça, ça, ça a été un critère déterminant d'adhésion pour Jacques Roubaud et Jacques Roubaud qui fait partie donc de cette deuxième génération d'Oulipiens, deuxième génération dans la mesure où il ne faisait pas partie du groupe d'initiés qui, qui, qui a été recruté en premier lieu par François Le et Raymond Queneau, mais, mais bien de cette, cette deuxième vague. Pour un autre membre de cette deuxième vague, qui est, qu est Georges Perec, la guerre était très importante aussi. Donc, ce, ce lien s'est perçu en tout cas pour donc la première génération et même cette, cette deuxième génération avec avec Perec et, et Roubaud. Euh, avec Perec, on, on a pensé, on a longtemps pensé que le, le, le rapport qui était entretenu à la guerre et qui traverse son œuvre était spécifique à son histoire personnelle, mais euh, Roubaud l'explique très bien dans, dans l'entretien qu'il nous accorde euh, dans, dans le volume, mais également, euh, dans, on, on a la trace de, cette, de cet intérêt, ou en tout cas, ce. ce cette histoire qui le relie à la guerre dans des textes qui apparaissent dans les années 90, euh, par exemple dans la, la dernière balle perdue ou encore Parc sauvage, euh, on, on voit déjà que la, la guerre a, une, a été extrêmement importante pour, pour lui. Euh, et puis même on peut dire que le, le fonctionnement du, du groupe de l'Olipo, en tout cas au début, euh, son origine euh, secrète, entre guillemets, en tout cas euh, à l'origine, les, les, les membres de l'Udipo n'étaient pas censés euh, divulguer leur, leur appartenance au groupe, euh, rappelait en quelque sorte les groupes clandestins de la, la résistance auxquels certains euh, avaient appartenu pendant la guerre. Et même si euh, l'existence de ce groupe était, était devenue un secret de polychinelle, les comptes rendus des, des premières réunions euh, dans les années 60 soulignent que les membres euh, chambraient ceux qui euh, laissaient paraître des informations sur leur appartenance. Ainsi, euh, Jean Lescure est condamné à mort euh, par, euh, par les autres membres du groupe pour avoir euh, laissé ébruter les, les, les noms de certains collègues euh, qui, qui, qui formaient l'Oulipo. Alors, bien sûr, cette. Cette condamnation à mort est placée sous le joug de l'humour, de l'humour noir. Euh, cependant, elle, elle rappelle ces, des modes de fonctionnement de certains groupes lors de temps plus agités euh, que les membres de l'UNIPO euh, ont, ont connus. Ce, euh, ce qui apparaît, c'est qu'il euh, semble. Alors, vous avez évoqué quand même hein, euh, euh, le fait que Pérec euh, fasse allusion, quand même, de manière très claire euh, à la guerre pas dans toute son œuvre, quand même, loin s'en faut. Et euh, il semblerait que l'Oulipo qui repose sur euh, un travail de, de la contrainte, euh, dans ce travail de contrainte précisément, ce n'est pas là finalement euh, que les allusions à cette seconde guerre mondiale se font euh, le plus apparent. <laughs> Donc, euh, est-ce que finalement, il ne s'agit pas essentiellement, euh, je veux dire, d'une réunion euh, d'individus qui auraient effectivement un, un, un passé euh, commun, celui de la guerre, mais euh, qui précisément auraient tout fait pour, euh, euh, au sein de la littérature de contrainte, euh, éviter d'en parler Oui, pour, euh, pour compléter euh, ce, qui, ce qui vient d'être dit. Euh, il faut je me, me souviens aussi très bien que Jacques Roubault, donc lors de l'entretien qu'il qu'il nous a accordé à Londres là en, en 2016 et euh, eh bien euh, a aussi précisé ouvertement et, et ça recoupe euh, ce, que, ce que tu viens de, de rappeler Dominique que lors des réunions en fin de compte de l'Oulipo on n'abordait pas la, la, la question politique parce que euh Roubault a dit explicitement que ça aurait amené les différents membres de l'Oulipo à s'entre déchirer. Non seulement parce que il euh, y a eu plusieurs résistances sur le plan des sensibilités politiques, du, du communisme au gaullisme, mais aussi parce que euh, certains Oulipiens avaient pu, peut-être pour quelques-uns d'entre eux, être séduits au moins à un certain moment par les sirènes de la collaboration. Et Alain Chevrier, dans l'article que nous publions, dans le, le volume, montre très bien que Jean Coval a, a, su, a, a succombé momentanément pendant quelque temps à, ses, à, 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 de, tels, à de tels appels euh, puisqu'il a renié certaines de ses publications qui étaient très clairement des, euh, qui avaient très clairement des sympathies pour euh, euh, à la fois l'extrême droite et, le, et, et, et la collaboration donc le, le, le groupe n'était pas un groupe uniquement de résistants il était à l'image euh, aussi de la société française euh, d'après guerre euh, et je dirais, il était à l'image de cette société, non seulement par les sensibilités politiques que euh, chacun des membres pouvait avoir, mais aussi par cet euh, accord tacite qui consistait à ne pas en, à ne plus en parler. Puisqu'on a de nombreux témoignages sur les, les 10, 15 années qui suivent la guerre où euh, il y a eu un espèce d'oubli volontaire, euh, que d'aucuns euh, qualifient de nécessaire pour que la société française puisse redémarrer en fin de compte se refonder et se relancer après les les l'état les, dans, dans lequel elle était sortie suite au conflit bah, il, il fallait laisser de côté certaines euh, certaines oppositions sinon le, le pays enfin, le, le, le pays ne pouvait plus avancer en fin de compte ça aurait été une guerre civile. donc euh, j'ai trouvé aussi ce témoignage enfin, l'aspect de ce, enfin, ce témoignage de Roubaud comme l'étude euh, de d'Alain Chevrier intéressante aussi de ce point de vue là, par le paysage tout en nuances, finalement, que ça permet aussi de, de, de brosser. Roubaud évoque aussi le, le cas d'Albert-Marie Schmitt, qui avait été un, un résistant qui s'est mal conduit après la guerre, parce qu'il a accepté de remplacer quelqu'un qui s'était fait licencier. Et, et puis, comme, comme tu l'expliques très bien, Jean-Michel, lorsque Queneau et, et le Lyonnais recrutent les premiers membres du groupe, ils ont cherché à savoir si les personnes qui allaient participer euh, n'allaient pas, pas batailler sur d'autres fronts. Donc, euh, le mot d'ordre était vraiment de pas de bagarre au sein de l'UIPO, en tout cas pas de bagarre politique. Il ne fallait pas faire autre chose que, que de l'expérimentation littéraire. Euh, leur, leur idée fondamentale étant que nous sommes en paix. Et que nous avons tous des différents engagements que nous pouvons prendre, mais ces engagements sont à prendre en dehors du groupe de recherche de l'Initature. Et je pense que c'est ce, ce qui a permis, dans un premier temps, de faire fonctionner le groupe, et ce qui a permis aussi, sur la, la, la durée, de, de, de faire en sorte que le, le existe en tout cas dans une certaine forme aujourd'hui, aujourd'hui encore. Non, je voulais juste ajouter que c'est à l'image de la société française également puisque les on pourrait dire que les, les premières démarches publiques ouvertes pour euh, euh, en quelque sorte poursuivre pour leur fait les anciens collaborateurs en France finalement c'est quelque chose qui ne s'est vraiment développé qu'à la fin des années 70 et dans les années 80 du moins dans l'espace public le, le, le plus large même si bien sûr certaines choses se savaient et c'était quelque chose euh, plus largement dans la société française dont on ne parlait pas et on pourrait dire peut dire de ce point de vue là que louis -Pau, en tant que petite société littéraire est à l'image de la grande société française telle qu'elle euh, qu s'est comportée on pourrait dire pendant une trentaine d'années en fin de compte après, après la guerre il y a quelque chose qui, qui m'intéresse et qui est évoqué euh, dans l'ouvrage euh, C'est justement euh, cette position de l'Oulipo par rapport à, à la réflexion d'Adorno euh, concernant euh, la poésie. On ne peut plus écrire de poésie après Auschwitz. Et euh, à partir de là, il, y a, il semble s'être dégagé une position commune de la part des membres de l'Oulipo, justement, euh, pour dire euh, oui, on peut malgré tout écrire. Euh, mais alors, quelle était cette condition à, à, à quelles conditions pouvait-on écrire euh, malgré tout après Auschwitz Oui, effectivement. Euh, je pense qu'ici, il faut distinguer la production de l'Olipo en tant que groupe de recherche et euh, les œuvres d'Oulipiens individuels. Effectivement, le, le groupe n'a pas tenu à aborder ce sujet difficile de manière frontale, mais il a quand même apporter une réponse personnelle et, et Jacques Roubaud euh, explique très bien dans son dans l'entretien qu'il nous accorde euh, que les, les membres de l'UNIPO ont voulu euh, répondre à leur manière à cette, cette formule d'Adorno selon laquelle il serait impossible d'écrire après Auschwitz et ils ont montré que la la parole poétique euh, ne pouvait pas exprimé jusqu'à l'horreur des camps, mais elle pouvait au moins reprendre les choses assez modestement. Et que les poètes sont avant tout des artisans de la forme. Et après, après la guerre, les, ils, se sont, ils se sont remis au travail et ils se sont comportés en fabriquant poèmes. Quant aux individus qui, euh, qui, qui ont composé l'Oulipo, euh, il faut pas oublier que l'un des pour, pour parler de la, la guerre plus précisément, l'un des premiers et, et, et d'expérience des camps, euh, l'un des, euh, des premiers textes en langue française sur l'expérience des temps est signé François Le Lyonnais. Et c'est son très émouvant euh, La peinture à Dora qui, qui paraît en 1946 euh, dans l'édition Fontaine. Et, et ce texte qui relate l'ennui. Ou des, des camps et comment il a réussi à tromper l'ennui en, en décrivant des tableaux à son, à son ami et compagnon Jean, Jean Gaillard. Alors, bien sûr, ce texte, comme, comme d'autres textes d'Oulipiens, prédate la création de l'Oulipo, mais il a quand même eu une influence très forte sur de futurs Oulipiens, dont, dont Jacques Roubault, qu'il avait, qu qu avait lu avant, avant d'intégrer. Euh, ce, ce groupe de recherche, et, et, puis, et puis surtout Pérec. Et chez, chez Pérec, la, la question de la guerre et des, des camps est, est, est traitée non pas comme des, des objets de, de savoir, mais comme, comme, comme une forme d'absence. Et dans son, son œuvre autobiographique W ou le, le souvenir d'enfance, la réalité des camps est centrale, mais il manque, il manque une, une description précise. Cela s'explique par le fait que Pérec n'a pas connu les camps, mais, mais qu'il y a perdu sa, sa mère. Donc ces, ces camps sont là comme témoignage de, de cette absence autour de laquelle on peut échafauder la, la, la contrainte pour essayer de s'en approcher, mais sans, sans jamais y pénétrer, en tout cas pas, pas pénétrer au, au cœur de cette, de cette absence. Oui, je, je pense aussi que le... Justement, ce, si on essaie de, de penser la, la, dé, la démarche de Lolipo par rapport à la, à la phrase d'Adorno, euh, non seulement il y a l'idée de fabrication hein, qu'on a dans ouvrir, voir de littérature potentielle, mais il y a aussi cet adjectif de, de potentiel alors qui, qui, est en, qui est ambivalent, en fin de compte, qui désigne euh, une infinité de, de possibles. Mais qui est aussi potent, c'est-à-dire l'idée le, le, que l'on peut faire de la littérature et euh, l'idée li, que écrire c'est aussi un acte de volonté. Cette idée de vouloir la littérature est aussi euh, très importante euh, chez les Oulipiens. Et je pense que c'est quelque chose euh, là aussi qui s'explique très bien par les années d'après-guerre, avec où il y avait de fait euh, dans la société, une volonté de de, de sortir de, de la guerre, de, de reconstruire euh, les, le, le, le pays, euh, mais euh, et, et de même qu'à l'époque et à l'époque par ailleurs dans un champ donc toujours de, celui de la littérature et de la politique, euh, on voit apparaître de manière encore plus marquée que dans l'entre-deux-guerres. Euh, l'idée d'engagement, l'idée d'engagement politique qui est euh, terrorisée, discutée, qui fait l'objet de, de divers débats et qui donne lieu à de la production littéraire. Alors je, je fais allusion bien sûr à, à, la, à tout ce qui s'est écrit autour de, autour de Sartre et des temps modernes, mais justement il y a, y a un point commun, me semble-t-il, entre euh, la démarche, euh, disons, à la fois la théorie existentialiste et la théorisation de l'engagement par Sartre et euh, l'Oulipo. C'est que dans les deux cas, il y a, il y a la volonté d'avancer, de construire ou reconstruire le monde, et il est évident qu'une qu un, qu telle volonté a été euh, a été en quelque sorte multipliée par les événements qui avaient été vécus pendant pendant, pendant la guerre. Donc c'est pas uniquement l'idée que pour pouvoir écrire par exemple, de la poésie, on va se donner des outils pour la fabriquer, comme le fait Conan dans 1000 milliards de poèmes c'est aussi qu'on veut la fabriquer. C'est-à-dire que même si le monde dans tel qu'il est peut nous décourager et nous laisser penser que les pouvoirs de la littérature sont bien faibles, voire inexistants, voire inopérants, il faut tout de même continuer. Et donc à partir de là, un des moyens de continuer c'est de travailler à la littérature et de vouloir la, la, la fabriquer avec un certain nombre de contraintes et à partir de là retrouver comme le disait dominique réussir quand même à, à parler de l'innommable de l'inexprimable de l'indicible euh, que qu'a qu été l'expérience euh, qui était à la fois nouvelle et qui n'avait jamais été vécue auparavant hein, de, de l'horreur de la guerre en général et de l'atrocité des camps euh, en particulier je voudrais proposer un, un parallèle entre le surréalisme et, et l'oulipo. Le surréalisme euh, sur, aurait émergé consécutivement à la première guerre mondiale euh, comme un traumatisme, l'expression d'un peut-être d'un traumatisme, ou peut-être une manière de s'en dégager. Est-ce qu'on peut dire, on peut est-ce que ce parallèle est, est légitime hein, pour l'Oulipo, on peut dire que l'Oulipo est né du traumatisme de la Seconde Guerre mondiale oui, on, on, on peut dire que l'ULIPO découle en quelque sorte de, du traumatisme de la, de la Seconde Guerre mondiale et découle aussi du, du surréalisme. Queneau a été un représentant important du, du mouvement surréaliste avant de s'en éloigner. Et je pense qu'il a essayé de faire les choses autrement, c'est-à-dire. Euh, il y a un principe d'anti-hasard qui est mis en avant dans la dans la création politique euh, poétique pardon euh, il, y a un, il y a une forme de d'anti-hasard qui est mise en avant dans la création euh, poétique euh, qui permet de présager des enjeux textuels de manière contrôlée volontaire et, et structurellement justifiée donc, la, la contrainte permet à la fois de remettre au, au goût des, du jour les exigences formelles de la métrique, en y introduisant de nouveaux paramètres, et aussi de renouer avec des jeux comme le cadavre exquis euh, que, que pratiquaient les surréalistes, par exemple, euh, comme moteur de, de création poétique. Euh, L'écriture automatique aussi. Euh, bon. Là, on a une, une forme de, de, de reprise, de, en tout cas, de, de certains codes en, en, en ajoutant des, des, des contraintes qui, euh, qui à l'origine, étaient plutôt linguistiques ou mathématiques, euh, qui maintenant euh, peuvent devenir euh, de l'ordre du, du temporel hein, dans les, les, les pratiques plus plus récentes, c'est-à-dire d'écrire entre telle station de métro et, et, et telle autre station de métro, euh, mais il y, y a toujours ce, 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 ce jeu avec la, la stimulation, en tout cas, de, de la poésie par, par des moyens qui sont autres que l'inspiration romantique. Euh, et, et cette, cette dette-là, en tout cas, au, au mouvement comme ceux sur Alice, je, je pense qu'on qu la retrouve. Ce qui est intéressant à préciser, je veux dire, pour quelqu'un qui commencerait à peine à mettre le nez dans la littérature oulipienne, c'est de ne sans doute pas opposer l'oulipo au surréalisme de manière un peu trop brutale. Ce n'est pas un anti-surréalisme, même s'il y a des contraintes que ne connaissait pas nécessairement le surréalisme. C'est cela que je crois comprendre. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui. C'est bien cela, même si euh... Euh, je, je pense que, que certains Oulipiens ont, ont mis en avant une sorte d'anti-suralisme par, par moment. Euh, ça, ça, ça reprend finalement les, les codes du suralisme en les, en les détournant. Oui, moi, moi je pense qu'il faut, en fin de compte, pour euh, bien penser cela, je pense qu'il faut distinguer deux choses, c'est-à-dire l'aspect historique euh, d'une un, part et euh, l'aspect littéraire et le parcours des de différents auteurs du point de vue historique euh, et d'une certaine manière c'est une banalité le un, un événement traumatique comme une guerre euh, que ça soit donc la guerre 14-18 ou la guerre 39-45 induit euh, enfin, est forcément traumatisant pour les ces acteurs euh, et donc que l'on soit écrivain ou pas d'ailleurs c'est forcément un, un événement marquant et quand on est écrivain bah, ça peut amener et il est évident d'un point de vue de l'histoire de la littérature, ça a amené après 14-18 l'émergence du surréalisme, ça l'a au moins facilité, euh, et euh, il en est de même donc pour Loulipo, donc dans notre volume on essaie de montrer les liens qu'il entretient avec euh, la guerre cette fois-ci 39-45. Donc il y a une analogie disons de type euh, à la fois historique et social ou culturel entre ces deux émergences post-conflit du surréalisme et du et de l'oulipo. Mais comme tu viens de le rappeler Dominique, en même temps, un certain nombre d'oulipiens sont sont foncièrement, je pense, on pourrait dire sans les trahir, qu'ils sont foncièrement anti-surréalistes en tout cas qu'ils n'adhèrent pas pas du tout aux grands préceptes du, du surréalisme. Qui, si on laisse de côté certaines pratiques comme celles que tu as évoquées du, du cadavre exquis avait tendance avec par exemple l'écriture automatique mais avec d'autres d'autres procédures également à favoriser une écriture tout à fait spontanée et donc qui au contraire n'est pas du tout contrainte au sens où l'olipo euh, l'entend euh, et, et de ce point de vue là évidemment les, les deux écoles paraissent assez assez lointaines l'une de l'autre maintenant euh, il, il est il est évident que pour, pour certains auteurs il y a eu un parcours qui a commencé avec le surréalisme et qui s'est prolongé avec euh, l'Oulipo et je pense bien sûr à, à raymond queneau euh, auquel j'ai dans le volume consacré donc euh, un article puisque euh, effectivement lorsqu'il est euh, tout jeune écrivain euh, lorsqu'il écrit les yeux par exemple queneau est, est influencé par le surréalisme de manière très nette par les l'esthétique que ces, ces textes poétiques euh, illustrent, et, mais on peut penser que très vite euh, et peut-être dès le départ, Conan euh, n'est pas pleinement satisfait par euh, justement les préceptes surréalistes. Je, je pense que ce qui l'a intéressé dans le surréalisme, c'est le travail sur l'inconscient et la, la prise en compte de la partie inconsciente de la psyché pour comprendre et décrire, représenter. Un être humain, puisque l'inconscient est quelque chose qui, chez Kono, occupe une, une part importante aussi bien dans sa poésie que dans euh, ses romans. Et on sait que euh, c'est quelqu'un qui, dans sa vie également, euh, euh, a eu euh, éprouvé des difficultés à vivre, au moins par euh, par moment. Euh, donc, c'est quelque chose qui certainement dans le surréalisme l'a séduit, le, le fait de ne, se, de ne pas se représenter. En, en rentrant dans certains cadres normés et euh, en faisant comme si tout allait bien et qu'on pouvait comprendre, en fin de compte, se, ou, se compre ou se comprendre quelqu'un ou se comprendre soi-même. Mais euh, c'est François Le Lyonnais hein, qui dit que, euh, Fran que Raymond Conno a, a, tou a, a toujours été olipien, qu'il est toujours allé vers, vers le y compris dès, dès ses débuts. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que dès le départ, on voit aussi chez Conno. Une appétence pour justement les règles, les contraintes, les contraintes alors euh, formelles dans, la, dans sa poésie, mais aussi dans ses romans. Le, le Chien d'An, il faut pas l'oublier, date de 1933, donc est bien antérieur à, euh, à la création de Dolipo, mais il est entièrement construit du, pour ce qui est de sa structure pourrait dire comme un roman de Pérec, c'est-à-dire que il y a des, tout un rythme, tout un ensemble de contraintes qui pèsent sur chaque chapitre, sur sa construction générale, et donc euh, c'est quelqu'un qui était naturellement soucieux, pourrait-on dire, aussi de cadre et de, de structure, de contraintes, de procédés. Euh, et, et donc, euh, il, il, je dirais que la suite de son parcours n'a fait que faciliter cette n'a euh, fait qu'encourager ce, ce versant-là de sa création. Et il s'est de plus en plus, effectivement, détaché d'une possible liberté qu'offrait le surréalisme pour aller vers une écriture plus encadrée, peut-être euh, justement pour mieux dire certaines choses qui, euh, en lui, étaient à un état plus ou moins d'ici, plus ou moins chaotique, plus ou moins accessible. Euh, et, et donc, à partir de là, bah, la guerre, euh, il... Euh, il le dit très clairement dans, dans son œuvre. Là, là, en quelque sorte aidé, euh, puisque euh, sa perception de la guerre, hein, de la guerre 39-45, c'est que ce n'est pour lui que la répétition d'une d'une barbarie qui trouve à s'exprimer à travers les siècles de manière régulière et constante. C'est-à-dire qu'il a pensé la guerre 39-45 non pas comme un événement exceptionnel, unique dans l'histoire de l'humanité, comme on la présente parfois euh, dans les, les documents de vulgarisation de de, de, de ce conflit, mais comme étant finalement un événement qui avait bien des points communs avec d'autres guerres qui avaient eu lieu par le passé. Euh, et, et donc, euh, il a plaqué en quelque sorte sur la compréh sa compréhension de l'histoire la manière dont lui-même fabriquait ses romans ou fabriquait euh, ses, recueils, euh, ses recueils de poésie. Donc, l'actualité, en quelque sorte, l'a convaincu que c'était euh, le meilleur moyen euh, de euh, penser l'histoire de penser euh, l'humanité. Euh, donc il y a ici une, un dialogue intéressant entre la, la création littéraire chez Kono, moi je pense que je parle bien là que de Quenot, et, euh, et, et le lent parcours vers euh, Louis Po. Oui, euh, justement, je voulais revenir à la propos de Quenot. Euh, ce qui est assez intéressant, là encore, il y a une sorte d'articulation euh, assez... Euh, assez étrange au fond, entre euh, cette liberté qui est celle de choisir ses contraintes, euh, très clairement, il y a des contraintes, euh, on pense au lipogramme notamment, euh, etc., qui sont des contraintes très très, très dures, ou, ou les textes monovocaliques par exemple, mais en même temps, euh, il y a toujours cet aléatoire dans la contrainte, c'est-à-dire euh, pourquoi cette contrainte-là plutôt qu'une autre, euh, qu'est-ce qui la détermine, euh, euh, comment euh, se met-on à... À se, à se mettre d'accord justement sur telle contrainte Est-ce que c'est le jeu qui va l'emporter, la dimension ludique en fait de, de l'entreprise ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre Voilà, c'est une question. Bah, moi, je, je pense, alors s'agissant de Kono, mais aussi par exemple de, de, de Pérec, euh, et je pense je crois pouvoir euh, avancer que c'est vrai aussi d'un certain nombre d'autres auteurs euh, de l'Olipo. Euh, la, la contrainte est gratuite, c'est-à-dire qu'elle est, elle, elle est choisie évidemment par l'auteur, euh, mais elle n'a pas de, de raison d'être et elle n'a pas à recevoir un assentiment ou un accord ou euh, une détermination extérieure quelconque. Euh, le travail de l'Olipo, pour moi, c'est comparable à, à un jeu au, au sens de la théorie du jeu, c'est-à-dire que on se donne des règles pour pouvoir euh, construire quelque chose. Un, un jeu, un jeu de cartes, un jeu de un jeu de société, quel qu'il soit, euh, est complètement gratuit. Il n'existe que parce qu'on a fixé les règles qu'on a fixées pour y jouer. Donc les règles n'ont d'autre raisons d'être que de pouvoir jouer. Et euh, l'Oulipo, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on se fixe des règles pour pouvoir écrire une œuvre. Mais ces règles n'ont d'autre finali finalités que de permettre à l'œuvre de s'écrire. Elles n'ont pas de valeur extérieure euh, en fin de compte à l'œuvre. Pourquoi euh, Pérec, dans la vie mode d'emploi, euh, décide-t-il dans chaque chapitre de faire tant de références à euh, tel et tel et tel ouvrage de la littérature Il n'y euh, bah, a pas de raison, évidemment. Pourquoi ce nombre, pour Pourquoi X références Et pourquoi faire des références c'est uniquement une contrainte euh, qu'il se qu'il qu se donne, mais euh, qui euh, qui lui permet de jouer à l et, et c'est-à-dire de décrire euh, en fin de compte son livre. Et donc il y a une gratuité dans le jeu, mais en même temps il y a aussi ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la volonté de jouer. Hein, C'est-à-dire le, le fait que euh, on, on, on ne, ce n'est pas quelque chose de gratuit au sens de sans valeur. Hein, on veut construire un objet. Et pour construire cet objet, on se donne des règles qui n'ont d'autre raison d'être que la construction de cet objet. Oui, tout à fait. On peut dire simplement que la, la contrainte sert de levier pour débloquer l'imaginaire, euh, que ce soit pour la production de, de textes plus ou moins sérieux plus ou moins léger, plus ou moins divertissant, et que la, la contrainte n'a pas d'autre but que, que, que cela. Ouais. Alors, j'aurais une question à poser justement sur la dimension un peu, un peu amusante en fait, des, des productions de Lolipo. Je pense notamment à toutes leurs expérimentations dans, dans l'atlas de de littérature potentielle. Mais avant ça, euh, je voulais euh, évoquer, puisqu'on en est toujours quand même à la Seconde Guerre mondiale, quand même il faut en parler, euh, l'ouvrage peut-être l'un des plus fameux de Pérec, euh, euh, l'ouvrage à contrainte qui s'intitule La disparition, hein, euh, a, a suscité beaucoup de commentaires et euh, il y a euh, une interprétation. Euh, selon laquelle alors il y en a eu beaucoup hein, euh, selon laquelle cette disparition euh, c'est le psychanalyste Alimagouli Ali Magouli qui avait évoqué cela hein, euh, serait finalement euh, l'allusion à la Shoah alors est-ce que on on en sait un peu plus aujourd'hui est-ce qu'on s'est mis d'accord sur sur une interprétation est-ce que c'est ça a été complètement euh, récusé ou au contraire euh, est-ce que c'est quelque chose envisageable alors, le, le alors, peut-être l'idée de disparition dans les années d'après-guerre euh, est, c'est un, il faut bien savoir que c'est un, comment dire, c'est un thème socio-culturel de premier plan. Euh, en effet, euh, la guerre étant terminée. Il est apparu que euh, un bon nombre de personnes avaient disparu. On, on le voit aujourd'hui dans l'actualité récente ou dans des pays où il y a eu euh, où il y a des dictatures, il y a des personnes qui disparaissent et, et, et en fin de compte, on a oublié aujourd'hui qu'en France, dans les années d'après-guerre, euh, eh bien une partie des Français, des Françaises, avaient disparu. Et donc, il y a le, le gouvernement a euh, institué un, un bureau de recherche des disparus, qui devait essayer de retrouver les traces des personnes manquantes, euh, savoir si elles, s'assuraient qu'elles étaient bien décédées, donc essayer de savoir dans quelles conditions, euh, ou si éventuellement, par les aléas de la guerre, elles, elles étaient euh, se trouvaient transportées dans un éventuellement même non seulement ailleurs en France mais peut-être dans un autre pays etc et, et donc euh, pendant plusieurs années il y a eu comme ça un bureau d'investigation qui euh, et, et dont on parlait dans la presse etc donc l'idée li, de disparition n'était pas attachée uniquement à la Shoak, alors bien sûr qu'elle a il ne s'agit pas de minorer la Shoah, qui est la, la disparition tragique de, de, de 6 millions d'individus de manière industrielle, de manière organisée. Mais euh, c'était aussi, aussi un thème socioculturel euh, en France. Et euh, moi, je, justement, je m'étais demandé déjà si cette, cette idée d'écrire euh, un, un roman où il manquait une lettre... N'était pas une espèce de transposition, n'avait pas pu quelque part être inspirée par cet état de fait de des disparus, qui parmi lesquels il y avait donc évidemment des juifs, mais également des, des résistants français et françaises, par exemple. Et si c'était pas ça n'avait pas pu être en partie inspiré par cette actualité, dont on trouve par ailleurs des, des échos également dans quelques pièces et entre autres une pièce inaboutie de Samuel Beckett qui euh, semble euh, qui, qui représente deux, deux deux individus dans un bureau qui euh, mène des enquêtes sur des gens qui ont disparu et qui est très clairement inspiré par cette actualité là donc euh, euh, la, la disparition oui bien sûr on, 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 enfin, il, je, en littérature on a toujours des marges d'interprétation donc euh, on peut pas dire non ce n'est pas la Shoah il est possible que compte tenu en plus de euh, évidemment, de l'importance qu'occupaient les camps dans l'imaginaire de Perec. Dominique en a parlé tout à l'heure, puisque sa mère y a disparu. Je parlais tout à l'heure, là, du. Oui, de la, la dimension ludique. On peut peut-être en... en dire un petit mot euh, rapidement. Hein, je... je pose ma question, là. C'est celle que je vous avais proposée, là, où... où je vous demandais ceci. Et il y a dans l'Oulipo beaucoup de jeux et de fantaisie. Hein, et, euh, et je pensais effectivement à, à ce texte monovocalique composé par Perret et qu'on trouve dans l'Atlas de littérature potentielle Max planta ça dans l'avant-bras d'Andras saratapa ça va pas fada brama Andras, ça fala à grand fracas donc là je dirais il y, y a de l'humour potache euh, c'est pas je dirais euh, un, un cas exceptionnel ça se produit souvent euh, ce genre de oui de de petits textes humoristiques et justement la question c'est quelle est la part de fantaisie sinon de comique un peu léger un peu frivole dans l'entreprise Oulipienne, et quelle est à l'inverse la part de sérieux voilà parce que là si on parle de la seconde guerre mondiale on a l'impression que finalement l'Oulipo n'était qu'une entreprise extrêmement grave extrêmement sérieuse et bon il faudrait pas non plus que ça atténue aussi cet aspect là qui me semble quand même très important Bien sûr, bien sûr. Euh, je pense que la, la création poétique est, est considérée avec beaucoup de sérieux et comme une entreprise très sérieuse par les membres de l'UIPO. Euh, ce qui ne veut pas dire que la, cela ne produit pas des textes qui sont légers et divertissants. Et là, vous, là, vous avez donné un très bon exemple d'un texte qui se. Euh, lit avec, avec beaucoup de plaisir euh, sur le même registre euh, des les Olympiens ont créé des textes pour des, des volumes de mélange et tous les, les, les mardis à la, à la BNF euh, il y a une restitution euh, de, de textes qui sont écrits euh, avec ce, ce même euh, ce, ce, cet humour cette, euh, cette envie euh, de jouer avec le langage parce que c'est en, en cela que cette démarche expérimentale de, de jouer, de produire des textes régulièrement avec tout le, le sérieux d'un laboratoire de recherche, comme un, un laboratoire scientifique, euh, il, est, euh, il, est, il est dévié pour, pour créer quelque chose qui va, euh, qui va montrer justement tout le potentiel de, de la langue et du langage. Euh, et y compris euh, le, le potentiel euh, comique. Et euh, je pense que ça, c'est extrêmement important. Alors, moins, on en a moins traité dans ce, dans ce, dans ce volume, euh, parce que le, le sujet ne s'y prêtait pas, pas entièrement. Euh, mais euh, mais, mais c'est vrai que dans, dans Louis-Bipo, -Louis de manière générale, euh, cette, euh, cette question du, du, du comique, du frivole, est, est, est complètement, euh, complètement présente. Oui, oui. Nous, dans, le, dans le volume, effectivement, comme le thème de la guerre ne euh, conduisait pas forcément à, à beaucoup en rire, mais euh, l'article d'Alain Chevrier sur Jean Queval euh, commence par rappeler qu'en reprenant donc, un compte rendu d'une réunion de Loulipo, euh, Jean Queval propose euh, comme Alexandrin le train traverse la nuit. Bon, ce qui, évidemment, n'est absolument pas un Alexandrin. Alors, on, <laughs> voit, on voit bien que, que c'est que ça, c'est typiquement de l'humour potache, hein, euh, effectivement, et euh, on retrouve on trouverait dans les comptes rendus de l'oulipo euh, de nombreuses sorties de cet acabit. Euh, on peut même trouver dans certains poèmes euh, de, de Kono, euh, dans Battre la campagne, Fondre les flots, hein, des, des, des textes comme ceci, ou dans Les iaux euh, donc, que j'évoquais euh, tout à l'heure, ou même L'instant fatal, il y a, y a certains textes où on a l'impression qu'effectivement, euh, que c'est avant tout des, des, des plaisanteries, des blagues. Mais euh, à côté de cela, hein, c'est ce qui est un effet, je dirais presque inévitable quand on quand on rassemble entre eux des des écrivains un peu créatifs et un peu un peu libres, euh, à avoir ce type d'humour est quelque chose qui qui n'est pas finalement exceptionnel. Mais euh, en même temps, euh, justement, contrairement peut-être à ce qu'on pourrait penser, je crois qu'il faut pas non plus dissocier la thématique de la Seconde Guerre mondiale et l'humour. Euh, il faut se souvenir que euh, que nous à commencer d'écrire ces exercices de style, donc qui sont typiquement un exercice oulipien, mais avant la lettre, puisque il, il les commence durant la guerre. Et il a dit explicitement que s'il avait commencé, donc je rappelle un exercice de style, c'est euh, un petit récit qui, que Keno que a écrit et qu'ensuite il a réécrit des dizaines de fois en, en se donnant à chaque fois une contrainte. L'une d'entre elles étant pour l'un des textes de l'écrire en Alexandrin, mais il, il a choisi euh, toutes sortes de contraintes diverses et variées pour réécrire euh, inlassablement euh, la même histoire euh, près de, à peu près une centaine de fois. Et en fin de compte, il a commencé ses exercices pendant la guerre et il a dit très clairement que c'était pour échapper, en fin de compte, à au la, à, à la, à quotidien terrible euh, de, 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 de la guerre. Donc, euh, on, voit, on voit comment euh, une situation qui était nécessairement une situation difficile peut amener, sous forme d'exutoire, d'échappatoire, un exercice littéraire qui, rétrospectivement, peut nous apparaître quelque part peut-être un peu... Un peu gratuit, euh, un peu potache, mais qui finalement a une origine euh, liée à, à un événement tout à fait grave. Et ce, ce type de contrepoids, je crois, est, est quelque chose qu'il ne faut pas oublier euh, pour euh, aborder le traitement que peuvent faire de la guerre euh, un certain nombre d'Oulipiens dans leur texte. Est-ce qu'on on pourrait. Euh signaler des comment dirais-je puisque tu évoques hein, le fait que que nous avait commencé à envisager euh, finalement l'Olipo avant même qu'il ne soit créé avant même la, la guerre est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des, des ancêtres de cette littérature à contrainte par exemple euh, quelle est la dette par exemple de l'Olipo vis-à-vis d'Alphonse Allé ou d'autres oui oui bien entendu euh... Je pense à, tra à travers le temps, on, on retrouverait, euh, euh, on trouve euh, un certain nombre d'auteurs qui, soit de manière assez récurrente, soit de manière plus ponctuelle, se sont euh, fixés effectivement des, des, des contraintes. Ensuite, euh, je crois que ce qui fait l'oulipo, c'est la théorie qui l'accompagne, c'est-à-dire la, la conception de la littérature et le rapport au littéraire qui l'accompagne. Parce que euh, la contrainte en soi ne fait pas l'oulipo, c'est bien évident. Le, le, si, on, si on reste dans le domaine de la poésie, euh, il est bien certain que, euh, par exemple, un auteur, euh, un poète lyonnais comme Maurice Sève au XVIe siècle, lorsqu'il lorsqu écrit ses euh, fameux dix ans, bah, se donne une contrainte déjà qui est d'écrire des poèmes en dix euh, on pourrait en dire de même à la rigueur des auteurs de sonnets, hein, qui se donnaient comme contrainte d'écrire en sonnets, avec non seulement des contraintes formelles, mais aussi des contraintes rhétoriques, c'est-à-dire qu'à la fin du, du poème, il doit y avoir un renversement de, de perspective, de situation, etc. Euh, donc, la, li, la contrainte en elle-même n'est pas, n'a évidemment pas été inventée par Loulipo. Ce qui est spécifique euh, à Loulipo, c'est, euh, je pense, euh, justement cette... Euh, cette posture qui consiste à, à, à inventer des contraintes spécifiques à la création d'une œuvre, l'articulation entre l'idée de contrainte de créativité et de volonté, euh, l'idée que la littérature est un véritable travail. Euh, et, et ce sont ces éléments-là, me semble-t-il, qui singularisent euh, cette entreprise littéraire par rapport à des, des pratiques littéraires qu'on peut observer par le passé et qui, assurément, pour une partie d'entre elles, Repose aussi sur des contraintes, mais sans avoir à, à, avec elles euh, la, la théorisation et qui, qui est celle euh, qui a pu fédérer à peu près hein, ce groupe d'auteurs euh, qu'on qu appelle les Oulipiens. Et les Oulipiens ont, ont cette formule pour décrire leurs ancêtres qui auraient fait à peu près la même chose qu'eux, euh, assez magique, de, de, de plagiat ou de plagiaire par anticipation. Donc, euh, euh, ils en sélectionnent deux, trois comme ça. Euh, Peut-être qu'Affon Salet fait partie de la, la liste, en effet. Mais, euh, mais il y a eu, bien sûr, des, des, des ancêtres de, de Louis-Pau, euh, y compris par euh, l'inventivité. Et comme, comme le dit euh, Jean-Michel très bien, ce n'est pas louis Lippo qui a inventé la, la contrainte, mais c'est justement ce, ce positionnement en théorique et cette envie de, de créer de nouvelles contraintes euh, qui, qui euh, les, les définit. Je parlais d'Alphonse Salé parce que il s'inventait lui-même des contraintes. c'est pour ça, hein. Pour ça oui, que... oui, Mais tu vois, on pourrait penser aussi à la même époque à Paul-Jean Toulay, qui est, qui est aussi quelqu'un oui, qui, à fait. là, qui construit son ah, œuvre, mais... des contraintes, alors, de métrique, mais qu'il se donne à lui-même, effectivement, qui okay, essentiellement. Euh, mais, euh, encore une fois, c'est finalement dans, dans, dans l'entreprise de Toulay, ça reste des contraintes qui sont assimilables à des, de la versification, hein, des, des formes poétiques, et, et ça, re, ça ne rejoint pas le, la, la contrainte au sens très large finalement, qui peut être de, de toute nature et, et finalement n'est pas prévisible, ne, ne précède pas l'œuvre, ce euh, que, que l'on trouve euh, chez les auteurs de Loulipo. euh Voilà. Donc, je, je pense qu'il y, y a quand même. À partir de là, vraiment, ce qu'on peut appeler un, un moment olympien dans l'histoire de la littérature française, qui euh, évidemment n'inclut qu'une partie, euh, qu'un qu certain nombre d'auteurs, hein, d'ailleurs assez, assez restreint finalement. Mais il mais y a vraiment un, un moment spécifique hein, qui, qui fait que, bien sûr, il y a eu par le passé des, des, des écrivains qui se sont donnés des, des, des contraintes, mais pas avec cet effet euh, euh, d'école et puis ce, ce côté à la fois euh, euh, systématique, volontaire. Euh, euh, et gratuit qui, qui est et ludique qui est celui de, des, des auteurs olypiens. Euh, pour conclure, euh, qu'as-tu euh, découvert, qu'as-tu euh, pu tirer euh, finalement euh, de ce travail de recherche autour de l'Ulipo et la Seconde Guerre mondiale, Jean-Michel bah, euh, pers Personnellement, le, le, le fait d'avoir assisté et participé à ce colloque, puis ensuite d'avoir travaillé à, à l'édition de, de, de ces contributions, ça m'a permis vraiment par les, les, les travaux et les contributions qui ont été apportées de, de mieux mesurer encore, même si à titre personnel j'en avais petite perception par mes, mes propres recherches sur Raymond Queneau, j'ai pu mieux mesurer encore combien justement les, la création littéraire et, et l'écriture est intrinsèquement lié euh, à la société dans laquelle euh, dans laquelle elle elle apparaît et elle et elle se diffuse c'est un un, une approche de la littérature qui, qui m'intéresse maintenant depuis de, de nombreuses années. Et euh, je, le, en travaillant sur ce recueil euh, à l'invitation de, de Dominique Glynn, hein, qui a été l'instigateur du, du colloque, euh, j'ai vraiment, euh, vraiment appris beaucoup de choses sur euh, les, trois, les trois dialogues, les trois, les trois interfaces qu'il pouvait y avoir entre la société qui est donc ici la société des années 40 euh, en France et euh, la, création, euh, la création littéraire. Et donc ça a été pour moi euh, un, vraiment un, un enrichissement, une, une source aussi de, de quelques réflexions qui m'ont permis de prolonger les, les propres préoccupations thématiques qui étaient, euh, qui étaient les miennes. Pour ma part, qu'est-ce que ça m'a ça apporté euh, J'ai trouvé que... Le, le colloque et, et les contributions du volume m'ont ouvert les yeux sur la, la, la richesse de, de la matière littéraire du, de l'Olipo et notamment sur la manière dont vous pouvez étudier cette matière très riche euh, avec des, des armes théoriques très, et des perspectives très, très différentes. On a euh, l'application ou l'utilisation des études du, du genre pour étudier la, la notion du secret de polychinelle dans le volume. On a des études de, de, qui ressemblent plus à des commentaires, commentaires de texte, des, études, des explications plus littéraires. On a euh, des approches historiques et puis on a... Euh, des textes assez, assez, assez théoriques pour, pour, pour certains et, et je, je trouve que l'objet euh, que nous propose l'objet littéraire que nous propose l'Unipo est suffisamment euh, dense pour permettre ces, ces différentes réflexions qui euh, m'ont fasciné en tout cas pour, pour, pour ce projet. Peut-être aussi, pour euh, tout à fait euh, conclure, faudrait-il euh, rappeler qu'il y a un, un écrivain dont nous n'avons pas euh, parlé durant cette interview, mais c'est celui qui nous a interrogés, puisque Didier Pourquier, euh, euh, non seulement est, est professeur euh, en, en, en classe préparatoire euh, au lycée Montaigne à Bordeaux, mais euh, il est également écrivain, l'auteur de, de plusieurs, euh, plusieurs romans, euh, dont, dont l'un... Et, et je dirais mon préféré m'a particulièrement réjoui. Il porte le, le titre rablaisien de Les couilles de Dieu, dont je ne saurais trop euh, recommander la lecture. <laughs> Donc merci Didier d'avoir de nous avoir interrogé euh, durant euh, toute cette toute cette séance. Merci beaucoup. Et merci, merci pour vous. votre confiance.